D'ordinaire, le jaguar chasse la nuit. Mais à l'occasion de la manifestation Expoval de Valette, c'est pendant toute une journée que se sont retrouvés les jaguars de la région et même d'Angleterre. Des jaguars mécaniques, celles-là, des automobiles de légende. Notre club est un club donc régional, mais qui est affilié à un club anglais qui s'appelle le Jaguar Enthousiaste Club. Alors lorsque Jean-Michel m'a présenté son programme de Expoval avec le thème sur l'Angleterre, sachant que nous faisons partie d'un autre club ensemble de voitures anciennes, il m'a demandé si je pouvais contacter mes amis anglais du club pour venir accompagner sa manifestation Expoval. Donc tout ça, ça s'est mis en place de cette façon-là. Les Anglais étant toujours très attachés et très volontaires pour ce type de manifestation, dans les 48 heures, ils m'ont répondu qu'il viendrait un certain nombre de voitures. Et aujourd'hui, donc, nos amis anglais sont venus à 7 voitures de Jersey. Ils sont arrivés vendredi et ils vont nous quitter ce soir. Le but, c'est aussi d'un petit peu mieux se connaître. Les liens ont été faits et les relations vont s'établir. Et je pense qu'il va y avoir un retour chez eux à un moment donné, sachant que les gens de nous, de notre région, bon, sont aussi très attachés et très volontaires pour ce genre de manifestation. Le thème d'Expoval cette année était consacré au Royaume-Uni. Aussi, le club des jaguaristes locaux n'a pas manqué le rendez-vous. Course du jaguar à travers les vignes, avec les propriétaires anglais de ces prestigieuses voitures, comme cette XK140, par exemple, de toute beauté. Par indulgence, on avait même toléré une Rolls-Royce. Excellent. It makes me feel much younger, and the more I drink, the younger I get. That's really very, very nice indeed. Et une petite remise des prix au Champilambar à Valette pour récompenser un couple passionné. Les possesseurs de Jaguar se retrouveront, c'est prévu, dans les terres anglaises prochainement. Il y a une chose que je veux dire encore, et c'est une invitation ouverte pour revenir en équipe à Jersey. Fantastique. Eh ben. On a eu un agriculteur ce matin pour le rallye, alors hier il n'avait pas de voiture, aujourd'hui il a une voiture. Il a fait une douche froide ce matin avec de l'eau.